They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. Cause it's your life. Rewind. Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Il était une fois. Dans un pays lointain. Je suis Raven Queen, et je suis la fille de la méchante reine, et je fais la promesse de... Je... Allez, continue, vas-y. Je... Raven était face au plus important des choix. Tous les regards étaient fixés sur elle. Vous allez vraiment commencer par là, le jour de l'héritage? Pas besoin de deux compteurs, vous savez. Commencez par le commencement, par la tragédie des rebelles et des royales. Bon, d'accord. Venez par ici, mes amis, nous allons vous raconter une histoire. L'histoire d'Ever After High. Un lycée destiné aux filles et aux fils des personnages de contes de fées les plus célèbres qui aient jamais existé. Mais cette année-là fut très différente des autres pour les élèves d'Ever After High. Le conte de Raven, l'histoire d'une rebelle. C'était l'année du jour de l'héritage. Un moment exceptionnel au cours duquel les étudiants jurent devant le monde magique de suivre le même chemin que leurs parents des contes de fées. C'est dans leur intérêt, sinon... Attendez un peu, qui raconte l'histoire? Si vous ne... Vous pourriez arrêter de vous disputer, tous les deux? Nom d'une tasse de thé. Tu parles à qui, là? Eh bien, au comptoir. Tu ne peux pas les entendre, je suis la seule à en être capable. D'accord. Est-ce que je peux parler, maintenant? C'est juste que j'en ai assez. Tout le monde ici pense que je suis méchante parce que ma mère l'était. C'est vraiment trop injuste. Personne ne pense que tu es méchante. Là, tu parles comme une petite folle. Blablabla. Oh, je rêve, tu es la fille du chapelier toqué et c'est moi que tu traites de folle. Oh. Arrête, tu racontes n'importe quoi. Tu sais bien que tout le monde t'adore à l'école. Ah, c'est la reine Raven. Courez. Elle est très méchante. Ah. Vite, fuyons. Alors, tu vois bien qu'il t'adore. Oui, c'est l'heure d'été. Earl Grey. Oh, petite souris coquine. Oh oui, c'est vrai. Ta nouvelle robe est ravissante. La vie n'était pas facile pour la pauvre Raven. Elle se sentait seule bien souvent. Et c'est bien normal, elle était destinée à devenir méchante. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'intervenir, n'est-ce pas? Salut Raven, tu as l'air en forme, mais enfin, qu'est-ce que j'ai avec les pommes, moi? Je te dirais bien de t'asseoir, mais je suis trop méchante. Pour t'asseoir ici, il faudrait que tu sois au... Quoi? Non, Raven, moi, c'est Dexter. Dexter Charming, Darin, c'est mon frère. Nom d'une pomme. Salut Raven, alors comment ça va dans le royaume? Applewhite, heureuse de te voir. Salut Darin. Je ferais mieux de t'avertir, ne regarde pas mes dents, je viens de les faire blanchir. Oh, la cloche a sonné, je vais en cours de gestion de royaume heureux. Et toi Raven, tu vas où? En histoire des sorts diaboliques. Fantastique, je suis sûre que c'est un cours qui devrait te convenir parfaitement. Hey Cerise, comment ça va? Désolé, j'ai pris froid. On mange gratis! Cette nuit-là, quand Raven revint au dortoir, une surprise l'attendait. Ohé! Madeline? Bienvenue chez toi, copine de chambre! Excellent, Applewhite, mais c'est Madeline qui partage ma chambre. Et maintenant, tu sais que tu joues un rôle très important dans mon histoire. Tu m'empoisonnes et puis je perds connaissance. Le prince te réveille avec un baiser, bla bla bla, je sais, et alors? Alors j'ai demandé à Monsieur Grimm, notre directeur, si nous pouvions faire chambre commune et il a dit oui. C'est merveilleux, tu ne trouves pas? Mais je... Oh, tu vas voir, tu vas adorer être ma compagne de chambre. Je suis belle et attentionnée, je chante merveilleusement bien pour toutes les créatures de la forêt.
Les colombes aiment voler, les lièvres me creuser. Circulez, circulez, y a rien à voir. Hé, j'ai déjà décoré ton côté de la chambre. N'est-ce pas délicieusement diabolique? J'étais sûre et certaine que ça te plairait. Alors là, je crois que ça va être une très longue année. Ce qui nous amène aux répétitions de la cérémonie du jour de l'héritage. Alors, quand votre clé magique apparaît, vous l'insérez doucement dans votre livre d'histoire des légendes. Ensuite, vous vous redressez fièrement et vous déclarez votre destin au monde entier. Et j'étais suffisamment clair. Monsieur le directeur Grimm, mais si... Pas de question. Bien. Maintenant, nous allons répéter avec ce petit manuel des règles incontournables de l'école. Alors, qui veut commencer? Moi, Madeleine Hatter. Je promets de suivre le destin de mon cher papa, le chapelier toqué du Pays des Merveilles. Quand est-ce qu'on prend le thé? Suivant. Je m'appelle Hunter Huntsman et je promets de suivre le destin de tous les chasseurs qui m'ont précédé. Je brandirai ma hache avec courage et toujours. Méfie-toi, Curie. Tu vas voir ce que tu vas voir. Suivant. Je suis Cedar Wood et je promets de suivre mon destin et d'être le prochain Pinocchio. Enfin, je veux dire la prochaine Pinocchia. Parce que bon, je ne peux dire la vérité que parce que je suis à l'école. Mais ensuite, un jour ou l'autre, je vais devoir mentir. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis comme mon père ou différente de mon père? Suivant. Je suis Raven Queen et je promets de suivre mon destin de... Est-ce que je peux poser une question? Oui, qu'y a-t-il? En fait, je me demandais, enfin, je veux dire, si je n'avais pas envie de prêter ce serment. Quoi? C'est juste une question que je me pose. Et je vais te donner la réponse. Si tu ne promets pas de suivre ton destin, ton histoire cessera d'exister. Quoi? Elle cessera d'exister? Mais alors, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Tu cesseras d'exister aussi. Ouf! Et maintenant, Raven, reprenons. Mais, Monsieur Grimm... Pouf, pouf. Oh. Il faut que je m'en aille. Ça suffit! Silence! Calmez-vous! Mais dans la cave des contes perdus, loin en dessous de l'école, quelqu'un d'autre écoutait. Gilles Grimm, le frère du directeur de l'école. Les corbeaux prennent leur envol et les nuages chantent. Mais que se passerait-il si la marée changeait de sens? Oh. En effet, que va-t-il se passer? Quoi, c'est tout? C'est comme ça que vous terminez l'histoire? Mais qu'est-ce que vous avez? Jeunes gens qui veulent choisir leur propre destin.